Comme dans tous les lycées, quand la sonnerie retentit, ça se bouscule dans les couloirs. Mais ici, les élèves portent nœuds papillons ou jupes crayons. Ils sont étudiants à l'école hôtelière de Biarritz. Chaque année, ils sont 750 apprenants à suivre des formations en hôtellerie, tourisme, boulangerie, pâtisserie et restauration. Allô chef, table numéro 5, je retire les 3 langoustiques, s'il te plaît. Chef, j'enlève. J'enlève. Allez, mesdames et messieurs, on y va, on attaque. Ce soir, on a un menu et Laïa, tu vas nous le présenter. Ce jour-là, en cuisine, Elaïa est désignée chef. Avec sa classe de terminale Bac Pro, elle va devoir préparer un menu gastronomique. Ici, là, pour le bouillon de langoustine, on va faire une clarification. Donc, encore une fois, ça, c'est des techniques compliquées, des techniques de restaurant étoilé. C'est bon, on est parti ? Allez, go. 42 couverts sont prévus pour le service du soir au restaurant d'application qui est ouvert au public. La brigade à 4 heures pour réaliser des plats d'exception avec des produits locaux. C'est une cuisine professionnelle avec des équipes qui travaillent en partie, donc une équipe sur les amuse-bouches, une équipe sur les entrées, une équipe sur les poissons, une équipe sur les viandes. C'est le cas d'un restaurant, on va dire, gastronomique. À côté de la cuisine, d'autres élèves de terminale se préparent dans la salle de restauration. Les arêtes, là c'est filet de sole, on a travaillé la sole, enfilé, entièrement désarrêté. En relation avec la clientèle, ils doivent maîtriser la composition du menu. C'est 10 euros le pigeon. Vous me vendez ça, hein? Ça marche? On est acteur d'une pièce de théâtre. On met en scène des plats et des actes qu'ont mis en place nos collègues en cuisine. Et à nous de les sublimer en sachant les vendre, en sachant les expliquer, en sachant les mettre en valeur. À repas gastronomiques, dessert mirifique. À l'étage inférieur, ce sont des élèves déjà diplômés en cuisine qui concoctent un lingot chocolat. Ils préparent une mention complémentaire en dessert de restaurant. Le crémelade, tu peux lier ton ananas avec, tu mets du citron vert et il reste un peu de rhum Trois-Rivières. Moi, j'ai un BTS en hôtellerie-restauration et notamment en cuisine. Ce que je vais vraiment faire plus tard, c'est la pâtisserie. Donc, pourquoi ? Parce que c'est une passion. D'un côté, on peut faire beaucoup plus de créations, je trouve. Et d'un autre côté, il faut quand même une certaine rigueur. Beaucoup plus qu'en cuisine. La cuisine, justement, est en ébullition. Avec une assiette d'attente. On commence à mettre les petits plats dans les grands. En mitonnant langoustine, sole et pigeonneau, les élèves au fourneau se rêvent déjà chefs. J'aimerais bien faire du compagnonnage en Tour de France. C'est mon rêve depuis assez longtemps. C'est ce que je veux faire le plus. Rencontrer des personnes et travailler avec des humains extraordinaires. Avant, je voulais être maçon. Et c'est venu d'un coup. J'ai fait une saison dans un restaurant et j'ai adoré. Que j'aime ma cuisine, nous deux on fait la paix. Il y a un peu de don, il y a beaucoup d'apprentissage surtout. C'est des choses où on apprend à reproduire un geste, c'est surtout ça. On apprend des bases de la cuisine, des choses simples, avant de commencer à déstructurer et de faire des choses dérivées. Vous faites quoi là? Le chef Stéphane Poulain est diplômé de l'école hôtelière de Biarritz. Il y revient en visiteur curieux. Souvent ce que je fais avant de faire sur l'assiette, je l'essaye sur un autre endroit, tu vois. On aime bien montrer la transmission, voilà. Ça me rappelle des souvenirs? Ah oui, moi je suis passé par là, hein. Donc j'ai connu toutes leurs étapes, la découverte de la cuisine. Après avoir travaillé dans un palace parisien et côtoyé des chefs étoilés, Stéphane Poulain s'est installé à Urugne en 2016 avec son épouse Véronique. Tout jeune, je savais que j'aurais mon restaurant un jour. Voilà, ça a pris un peu de temps, le temps de bien se former. C'est une cuisine avant tout locale, avec des produits de saison. Voilà, en apportant ma touche personnelle. Inventive, raffinée, la cuisine de Stéphane Poulain se nourrit de toutes ses expériences et d'une pincée d'humilité. De toute façon, on apprend toute notre vie en restauration. Là, Julien, qui vient de rentrer chez nous, il arrive de Bordeaux. Il va m'apprendre des trucs parce qu'il a peut-être qu'il a vu des choses que moi j'ai jamais vues dans ma vie. Et moi je vais lui apprendre d'autres choses. Vas-y vite parce qu'il faut. Avec Laurine, stagiaire de l'école hôtelière, il est très pédagogue. Là ça manque de cuisson encore. Touche. Entre lire une recette sur un cahier et le réaliser après, s'il n'y a personne qui nous montre, quand on est jeune, on ne saura forcément pas le faire correctement.
La cuisine gastronomique de Stéphane Poulain est aujourd'hui l'une des plus cotées du Pays basque. Retour à l'école hôtelière, c'est le coup de feu à quelques minutes du service. En cuisine comme en salle, les élèves doivent être rigoureux. Autant que la cuisine l'est avec les grammes et les centilitres, nous on l'est avec les centimètres, la propreté, la symétrie des choses. Ce soir, Baptiste est maître d'hôtel. Pour le poisson, la viande et le dessert. Il sera bientôt diplômé en service en restauration et se projette déjà professionnellement. Moi, j'ai choisi cette filière parce que j'aime bien le contact clientèle. Je trouve que c'est important. Après, il y a la gastronomie française aussi qui fait que voilà, c'est assez réputé dans le monde. Et moi, j'aimerais bien voyager plus tard. J'aimerais bien partir à l'étranger, les bateaux de croisière, intégrer la marine. Les premiers clients arrivent et dégustent un cocktail préparé par les apprentis barmen. Avec son éventail de diplômes, l'école hôtelière offre un véritable sésame pour l'avenir. Allô, Jean, je réclame 3 soins. Il n'y a pas de souci pour trouver de travail. Hein. C'est vraiment des formations qui insèrent très facilement. Hein. Donc, en bac pro, les élèves maintenant sont demandeurs de poursuite d'études en supérieur. Mais avec un BTS, on a un emploi dans ce métier en France comme à l'étranger, bien évidemment. Aussi bien pour le Canada, les États-Unis, enfin dans le monde entier. Table numéro 5. C'est enfin l'heure de passer à table. Au menu, bouillon de langoustine aux herbes thaï, maquereau à la tranche à cru et gelée de crabe, et dessert chocolat poire sorbet au coin. Le public teste au restaurant d'application les savoirs des élèves. Des élèves ambassadeurs d'une des plus grandes traditions françaises.